Avec mon petit compte à rebours, avec une bulle, le ridicule ne tue pas, alors viens que je. En espérant que la poutre de YouTube ne me tue pas, que les phoenix de Griffon se ruent sur moi, sinon sort ton esprit tordu, ton petit cul, et surtout continue. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ludovic59820. Si vous êtes sur cette vidéo-ci, c'est que vous êtes sur une vidéo au montage. Voilà, je peux le faire. Ça. Donc, moi, pour éditer une map, voici comment je fais pour éditer une map. Les tests de compétences, j'utilise pas. Éditeur de script, c'est pas pour moi. Afficher les crédits, j'ai pas besoin. À propos de Rhizomnation, j'ai pas besoin. Voici comment je fais pour créer une map. Alors déjà, ici, on arrive comme ça, comme ça, comme ça. Ici, donc le premier, les premiers choix. Donc ça, ça c'est sélectionné, ça sert à rien. Ici, scénario. Donc vous pouvez choisir ici. Règles du jeu, vous avez le choix entre standard, personnalisé, pas d'assaut, mort subite. Combat à mort, nomade, course, technique pacifique, ça après je connais pas, partie rapide, scénario, nanana. Donc ici moi je vais mettre pas d'assaut, pas d'assaut, la population 200 au maximum, ici, comment ça s'appelle, charger le script du scénario de départ, antiquité. Vous êtes d'accord? Généralement, moi, attends. Ici. Charger le script du scénario âge de départ, toute technologie. Comme ça, je fais pas de différence. Toute technologie. Après, vous pouvez désactiver les pouvoirs de des nations. Ah ouais. Non, c'est règle du jeu. Âge de départ, âge d'arrivée. Donc là, je vais mettre début de l'ère informatique. Révéler carte. Ah, ça, c'est primordial, ça. Tout visible. Tout visible. Diplomatie pendant le jeu.
je vais cocher oui. Alors, population 200. Élimination, c'est. J'ai mis pas d'assaut. Règle du jeu, pas d'assaut. Comment je pourrais dire, mort subite de la capitale, élimination, c'est conquête, capitale, mort subite de la capitale ou mort subite tout court. Ouais, je vais laisser élimination, les règles d'assaut. Alors, voilà, ici. Non violent. Les modifications des règles d'assaut obligent les nations à être en paix. Voulez-vous faire cette modification? En sachant que vous avez le choix. Alors, ici, attends. Position de départ. Attends. Obtenir emplacement caméra, cliquez pour passer à la vue initiale de l'appareil. Pour le scénario, vous montre la vue qui s'affichera au joueur au démarrage. Définir un emplacement. Définir un emplacement. Bon, bref, ça c'est pas grave. Alors, dans les nations, vous avez le choix entre les Allemands, les Américains, les Aztèques, les Bantous, les Britanniques, Chinois, Coréens, Espagnols, Français, Grecs, Inca, Adjiens, Iroquois, Japonais, Mayas, Mongols, Nubiens, Néerlandais, Perses, Roumains, Russes, Lakota, Turcs, Égyptiens. Bon ben moi, vous savez, je suis Français. Non, mais là, il m'a mis égyptien. Qu'est-ce qu'il fait? Français, voilà. Ici, nom du chef. Moi, je vais mettre. What? What the fuck, attendez, hop, il y a une petite erreur, what the fuck, ok, après, donc ici, la couleur sera, je vais mettre blanc, ok, contrôle, ça sera un humain, donc les difficultés c'est bon, ici, voilà, attends ici, ressources. Paramètres des transports automatiques. Par défaut, paramètres divers. Je vais plutôt mettre paramètres de l'IA. Je ne sais pas, c'est option. Recherche à la bibliothèque. Paramètres divers, qu'est-ce qu'il y a ? Transport automatique par défaut. Ouais, par défaut. Donc ça c'est pour créer la map. Ici. Après, la carte. Donc là, ici, vous avez le choix entre les îles britanniques, états en guerre, rencontre est-ouest, puissance coloniale, puissance maritime, pondon africain, outback africain, nouveau monde, méditerranée, bon ben, mesa du sud-ouest, Inde orientale, herbe vide. Donc là, ici, on va faire herbe vide. Ici, nation. Ben, je vais mettre tout seul. Petite taille de. À la taille, j'ai arène, petite 2 à 3 joueurs, standard, grand, immense ou gigantesque.
Desk. Qu'est-ce que je vais mettre, moi? Gigantesque. Allez, hop. Verrouiller source. Alors, comme nom, je vais mettre ici, je vais entrer une nouvelle source carte. Donc, je vais mettre. Pour les débutants. Oh, mince. Des débutants. Voilà, débutants. OK. OK. Donc ici, vous avez le choix d'éditer un script. Donc, aucun script n'est associé à ce scénario. Souhaitez-vous en créer un? Oui. Donc là, ici, vous pouvez modifier la carte en lui mettant, ajouter les étiquettes de constance ici dans une liste séparée par les virgules. One less. Bon, ça, j'en dis pas plus. Ça, c'est un truc que j'utilise. Moi, personnellement, j'utilise pas. Je sais pas utiliser. Donc, j'ai tendance. Hop, je ferme. Pardon. Après, quand j'ai fini la carte, la source, pourquoi elle m'a mis 0? Bon, allez, donc je mets ça, je vais mettre, on est quel jour? 02 08 2022. Ah mince. Alors, 02 08 2022. Voilà. OK. Ensuite, je génère le terrain. Généralement, je fais éditer la terre. Alors, pour éditer la terre, je fais comme ça. Ici. Ensuite, je fais du 5-5. Ça va fonctionner ici. Après, je peux rajouter soit un océan, soit une rivière. Bon, c'est déjà de la terre. Là, ici, je vais pas mettre de rivière. Vous pouvez rajouter un océan, des rivières, des falaises et des montagnes. Ici, hein. Ça, je touche pas. Appliquer les modifications. Je fais, je reviens sur la carte de départ. Non, j'avais pas demandé du Sahara, j'avais demandé. Attends. Pas jungle. Savane africaine, steppe tropicale, Sahara. Tu vois, ça devrait être un peu changé. Bon, bref. Ici. On va revenir carte. Style de carte, herbe vide. Oh, ancien monde. Allez, hop. Attends. Ah non, j'ai vite dit herbe vide. En fait, il faut que j'importe la carte. Ça va pas fonctionner. Générer carte. Non, ça, il faut pas le faire. Faut pas toucher. Donc, carte, j'ai mis herbe vide. C'est étonnant, tiens. Verrouiller source. Voilà. Tiens, c'est bizarre ça. Ah oui, d'accord, c'est le style enneigé. Seul.
One step. Voilà, ça c'est un style de truc, mais moi c'est pas ça que je veux. Je veux du vert complet. Arctique, automne. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. J'ai trouvé la texture de ma map. Donc, hop, moi je vais faire ça du 5 sur 5. Ici. Ensuite, vous pouvez rajouter des forêts. Comme ça, ici. Hop, 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 là, ici. Donc, là, ici. Vous allez en rajouter ici des forêts. Ici, vous allez rajouter de la forêt aussi. Ici, vous allez rajouter de la forêt aussi. Voilà, ici, les forêts, c'est fait. Après, vous pouvez rajouter des rochers. Hop, ici, vous pouvez en mettre un aussi ici. Hop, 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 hop. Bon, je reprends la vidéo. Bon, mon PC il a crashé, mais bon, parce que je sais pas, je crois que ça doit être la chaleur. C'est un PC de bureau, mais sans ventilateur. Donc, je pense qu'il a crashé par rapport à la température ambiante. Il n'a pas su gérer quoi. Donc, j'ai recréé une map avec les mêmes coordonnées que j'ai fait auparavant. À part que ici, j'ai mis ajouter au hasard, ajouter du hasard ici. Maintenant, je vais ajouter unité. Alors, je vais rien mettre. Je vais juste mettre un village. Donc, là, village. Moi, généralement, je la mets au milieu. Un village. Comme je suis français, c'est Paris. Donc, je laisse comme ça. Après, je laisse au hasard. Je laisse comme ça. Placer tous les âges, tous les types. OK. Donc, je suis en bâtiment. Maintenant, aux ressources. Là, ici, des ressources. Alors, je vais mettre. Les poissons, non, je peux pas. Faut que je vais sur terrain. Donc terrain, faut que je mette, faut que j'édite terre ici, là ici. Ouais. Éditer terrain. Il faut que je fasse océan. Donc je vais créer des océans. Ah, je vais créer un faux océan. Voilà ici. Ici, appliquer les modifications. Vous allez comprendre pourquoi je me. Comme ça. Là, ici, je vais pouvoir ajouter les poissons ici. Alors en fait, en plus, j'ai enregistré la map qui était comme ici, regardez. Pour enregistrer la map, il suffit de faire enregistrer. Donc ici. En fait, il faut choisir débutant. Ici. Enregistrer. Il existe déjà une partie enregistrée du même nom. Voulez-vous écraser le fichier existant? OK, ça c'est fait. Donc là, ça c'est quoi? Des reliques. Là, ici. On va en mettre un petit peu au hasard. Ici. Ici. Après. Du vin. Ici.
On va rajouter ça. Du vin. Ici, c'est quoi? Du papyrus. Donc, on va en mettre du papyrus. Ici, on va en mettre un peu là, un peu là, là, un peu là. Ok, ici. Donc là, ici, c'est quoi? La teinture. On va en mettre ici, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Ici, de la soie. Donc de la soie, on va en mettre un peu là. Ici. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ici. Alors ça c'est quoi? Des épices. On va en mettre un peu ici. Donc le sel, on va en mettre ici, 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 hop, voilà, ici, le sel. Donc les chevaux, on va en mettre. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc du caoutchouc, on va en mettre ici, 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 on va en mettre un peu là. Hop, on va enregistrer. Il existe un... Hop, voulez-vous écraser? Oui. Alors ça c'est quoi? Le soufre. Non, le soufre non. Je vais pas mettre de soufre. Non, 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 non. Je vais pas mettre de soufre. Donc ici, ça, de l'ambre. Ici. De l'ambre, je fais, on va mettre des mines d'argent.
ici. Là. Ici. Hop. Argent, argent, argent. Hop. Argent. On va en mettre là aussi. Ici, on va en mettre aussi ici. Hop. On va enregistrer. Enregistrer. Voulez-vous écraser le fichier? Oui. Donc là, c'est du tabac. Non. Du marbre. Du marbre ici, 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 ici. Ici, alors du marbre. Hop, 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 ici, du marbre. Donc des fourrures. Des fourrures, non, les ours, moi je dis non. Je vais mettre du coton. Coton là. Coton ici. Ici, ici. Ici, ici. Ici, ici. Ici, ici. Ici, ici. Là, ici. Le coton. Après, des bisons. Ouais, des bisons. Là. Voilà. Ici, ici, ici. Hop, 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 hop. Ici, là, on peut en mettre aussi. Enregistrer, oui, enregistrer, donc après je vais mettre du cuivre ici, ici. Ici, du cuivre, du cuivre. Ici, 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 ici. Ici, 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 ça c'est bon. Après, dépend.
dépend. Ici. Dépend. Dépend. Bon, c'est bon, les oranges. Vous êtes venus par-ci, par là. Du sucre. Alors les diamants, c'est ici,
propos de l'obsidienne. Bon, il y aura deux villages, donc c'est pas grave. Alors, il y a quoi dedans? Du charbon. Oh, du charbon, les... Hop, et puis nucléaire, on fera pas parce que c'est dans votre charbon. Charbon. Putain, ils ont fait sauter les... ici. Enregistrer. Ok. Maintenant, diplomatie. What the fuck? Non, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir... Il n'y a aucun script n'est associé à ce scénario. En souhaitez-vous en créer un? Oui. Donc, fermé. Ici, enregistrer et enregistrer. Maintenant, j'ai tout enregistré. Ah oui, non. Je peux l'enregistrer.
Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait? J'enregistre dans le cookie. C'est utilisateur, c'est desktop. Pour des débutants. Hop. Enregistré. Et maintenant c'est magique. Voulez-vous quitter l'éditeur de scénario? Oui. Et voilà. Maintenant la map elle est disponible. Je quitte. Alors c'était la fin de vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Bon, je vous présente ici parce que moi c'est mon décoration. Ou en bas de la ligne rouge. De vous abonner pour voir les vidéos à venir. Et ancienne, si vous voulez, si ça vous a plu, bien sûr. Allez, je vous dis salut à Tartous et à Tartous.